tout le monde, c'est AlphaWin. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ce serait une vidéo carrière sur FIFA avec le LOSC. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Je pense mes ambitions, c'est clairement cette année être en haut de tableau. On a une petite équipe, on a des bons petits joueurs, par exemple comme Bamba, IPP, une bonne progression. Je crois que c'est Silicosi. Je crois qu'il est turc en plus. Ouais. Donc voilà. Après, il y aura quelques changements forcément. Je vais pas laisser ça. Je pense que je vais voir. Par exemple, il y a Luis Araújo aussi que j'aime bien. Que l'on va mettre directement sur le banc à la place de Soumaré. Celik ou Jérémy Pied. Parce que je sais que les deux sont bons. Mais je préfère Celik pour l'instant. Donc voilà, il y a Fonte, Sao Mauro. Je pense que Fonte, je le garde juste cette année. Parce que c'est un mec qui peut porter l'expérience à l'équipe. Balotelli, excusez-moi. Mais est un bon joueur. Mais à voir ce qu'on va faire. Je vais vous montrer mon budget de cette année. Alors je crois que c'est 16 millions quelque chose. Plutôt pas mal. Alors on va voir ça. C'est 16 millions, voilà. 16,6 millions. Voilà, on a à peu près ça comme budget. Alors on va faire les entraînements, ce sera bien. On va entraîner là-haut, Léao. Dribble. Ouais, wow, mais ça parce que c'était pas comme ça l'année dernière, du coup je regarde un peu, je suis encore un peu en découverte. Pépé, Bamba, il connaît Farage. Farage, alors j'ai envie de l'entraîner parce qu'il est jeune. Et je veux vraiment qu'il s'améliore. Farage, je sais pas comment on dit, excusez-moi si j'écorche les prénoms. Je vais entraîner Bamba aussi, parce que Bamba il est bon. Je trouve plutôt bon, passe. Ouais, on va améliorer sur ça. Mettre un peu de défensif aussi. Alors il y a Mike Maignan, forcément très très bon. Il y a Celik, Balotelli. Bon, je pense qu'on va améliorer Balotelli en défense. Voilà. Ça, et on va mettre Celik de l'autre côté, à moins qu'il y ait un défenseur central qui est jeune, mais Sao Mauro y est. J'améliorerai Celik parce que Celik, je trouve que c'est vraiment un bon joueur. J'ai regardé quelques matchs cette année, c'était plutôt correct. Voilà, par contre, je ne joue pas les matchs. Hein. Donc là, on a attrapé 2A et 2D et 1C. Ça va, c'est pas trop trop mal. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Je pense qu'on va faire déjà les matchs de European. Personnage Cup où on a dans le groupe Cardiff, Norwich et Nottingham Forest qui sont tous les trois des clubs anglais. J'ai pas encore fait de équipe B, je pense en faire une. Alors déjà je vais juste faire un petit truc parce que il y a certains joueurs que je ne compte pas cette année dessus. Alors il est où? Il y a Junior Alonso qui est prêté au Celta, donc j'attends vraiment qu'il revienne parce que je le trouve très très bon. Je l'ai testé l'année dernière, il était très très bon sur FIFA 18. El Ghazi, je sais pas en fait si je compte sur lui quand il revient. Cheka, ça sera un bon remplaçant, on va dire ça comme ça. Araújo, Bayouli. Et lui je vais le mettre sur la liste des transferts parce que c'est pas un mec sur qui je compte cette année. Benzia, quand il reviendra, je ne sais pas. Loïc Rémy, il vient d'arriver, du coup je peux pas le vendre. Lui par contre. Ça impresse et Rue Fonte. On peut jouer en 4-4-2 avec Léao qui le suit. Je pense qu'on va faire ça d'ailleurs. On va faire une équipe de regarder. On va faire ça tout de suite même comme ça devant vous. Alors au goal ça sera Scoofy. Compagnon sera Ye et Gabriel je pense. Gabriel ouais. Sur le côté sera Jérémy Pied. Côté sera Koné parce qu'en fait j'ai pas fait encore des changements du coup voilà. Kera, Cheka, PP ça sera Frash qui jouera là. Bamba, Luis Araújo je pense. Alors la question que je me pose, est-ce que je mets Bayouli, Soumaré? Est-ce que Soumaré il est. Ah, c'est pas lui, Soumaré t'es où? Tu n'es pas là, ah si tu es là. Tu peux jouer en MOC? Non. Alors déjà ça va être Léao en haut. Alors soit on joue sur un 4-4-2 parce que j'aime bien jouer en 4-4-2. Vraiment un 4-4-2 très offensif. Comme ça, jouer avec Léao Ferrage qui serait là. MDC ouais c'est plutôt ouais. Du coup ça supprime le poste que je veux pas mais faut que je trouve un autre 4-4-2, attendez.
Ouais, un 4-4-2 plat, je pense, avec voilà, 2 MC, Rojo et Koné sur le côté. Non, c'est juste comme ça, voilà. Avec Fonte, du coup, ici, je vais juste voir avec les pieds. Droitier, droitier, 4 étoiles, 3 étoiles. Du coup, je préfère mettre Léao là. Léao, c'est vraiment un joueur à devenir très bon. On va mettre juste le Crémisseur là. Comme ça. En fait, je veux pas épuiser non plus tout le monde. Hein. Clairement, voilà, bah, le Touré, Smao. Et je veux juste voir Yé. 72 de vitesse, c'est juste Smao 64. Alors, est-ce que je privilégie la vitesse comparé à la physique? Je sais pas. Je verrai dans les premiers matchs. Là, par exemple, ça va être un test. Hein. Voilà, l'équipe ressemblera à ça. Hein. Je veux pas vraiment toucher pour l'instant. Je sais pas ce que je vais voir. C'est comme quoi on n'a pas un gros gros budget. Pour l'instant, je sais pas. C'est bizarre parce qu'en fait, je sais pas comment. Sur quoi rechercher le fond. Je pense que je vais chercher déjà un MOC pur et dur. Je veux pas de. Autre chose. Je pense qu'on va prendre un français. Un français qui joue. Je sais pas. Je vais voir. On va voir ensemble. Tenez, on va y aller ensemble. Alors, c'est en première ligue, il y en a. Il n'y en a pas, il n'y a pas de gens qui jouent en MOC en première ligue. Ok. Ligue 1 Conforama. Ben Arfa, mais Ben Arfa ne m'intéresse vraiment pas. Hein. C'est. Voilà, c'est pas vraiment un grand joueur. Kabela. Non. Nabil Fekir. Alors, c'est trop cher. Hein. Effectivement, c'est un peu cher. Clément Grenier, c'est lent. Genre. Gaëtan, par contre, je veux le mettre. Et je trouve que c'est un très bon joueur, du coup je veux juste le surveiller pour l'instant. Julien Mollet, je le trouve très très fort dans la vraie vie, il est juste monstrueux. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Valentin Rongier, j'ai essayé en MOC dans une autre carrière. Il est pas foufou quoi, c'est pas non plus une fusée. En Bundes, il n'y a personne. Serie A, il n'y a personne. Okay. Bon, il n'y aura pas non plus. Hop là, juste. Je pense que je vais me prendre un. Par exemple, pas des lignes, hein, parce que c'est un peu cher. On a que de 16 000 de budget, du coup voilà, faut pas non plus trop croire. Ah, ça va être un mercato assez pauvre. Hein. On va pas se mettre au Madison. Je sais qu'en quoi il est bon le Madison, du coup on va regarder quand même parce que ce sera intéressant de l'avoir. Et puis non, il y a vraiment pas grand chose qui m'intéresse là-dedans. Ligue 1 Conforama, je vais juste voir tout le monde. Hein, alors. Boschkeglia forcément. Gonzo, alors Gonzo il est lent, ça se voit directement, et c'est pas ce que je cherche réellement. Garcia, il est prêté par City du coup. C'est que c'est un plutôt bon joueur. Hein. Non, il n'y a pas vraiment de. Je suis assez étonné d'ailleurs qu'il n'y a pas beaucoup de bons joueurs. Alors Amiri, je l'ai déjà dans mon club de foot champion, il est pas fou, hein. Faut pas vous attendre à grand chose avec lui. Forsberg. Kay Hervé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, excusez-moi si je me trompe de prénom. Younous Mali, alors lui c'est vraiment une, je pense une valeur sûre, hein. Très très bon. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Younous Mali, si vous connaissez pas, faut aller voir quoi. Il est très très bon, c'est un bon joueur. Il a un jeu de balle impressionnant, c'est monstrueux hein, des fois. Chose, hein. Désolé hein, mais il n'y a pas grand chose du tout. Nicolò Fagnano. On va voir lui parce que ce que je crois dans certaines carrières il est plutôt bon, il a une plutôt bonne amélioration. Alors juste en Espagne parce que je sais qu'il y a des bons émotions en Espagne. Liga Santander, Red Bulls, Fico. Non, c'est genre pas, c'est le.
Elk espagnol quand je joue. Franco Vasquez. Il ne s'entend pas avec les vieux, mais bon. Rafinha. Pablo Fornal, vraiment, dans la vraie vie, il est monstrueux, Pablo Fornal. Canales aussi, mais bon. Voilà, je pense que c'est tout, parce que je pense que déjà l'équipe est plutôt bonne comme ça. Ouais, je vais juste voir quelque chose si Léo il est là. Qui on a mis sur la Farage. Je vais mettre Farage là parce que pour remplacer Nicolas Pepe, parce que je sais qu'il connaît, je veux pas aimer comme ça, du coup voilà. Donc je pense qu'on va partir sur notre premier match, hein, clairement on va jouer notre premier match, après je pense que je simulerai et puis voilà. Juste pour vous montrer un peu de gameplay. Parce que je sais que les débuts de vidéo sont un peu chiants. C'est tout ce que je peux dire réellement. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Bah c'est qu'on a déjà une offre pour Luis Araujo. Je crois que j'avais pas mis en vente. Du coup, vu que c'est mon. J'hésite à le vendre parce que vu que c'est quand même mon MG remplaçant de Bamba. Et je le trouve plutôt bon. Alors je vais refuser l'offre. Voilà, voilà. Alors on va jouer contre Northwich. On va mettre l'équipe 1. Hein. Alors, Jean maillot rouge et vert. L'équipe 1, là voilà. Alors, je pense qu'on va jouer avec ça. Hop là, c'est parti. Donc le premier match contre Northwich de la Coupe Europe International. Et alors, c'est parti. C'est l'équipe. Nicolas Pepe. Pepe pour Ikoné. Mendes. Thiago Maia. Oh, Thiago Maia qui fait genuine pass. Deux mauvaises passes de Thiago Maia. Étonnant. Je laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on pense bien, c'est le système utilisé les Français en 98, mais aussi en 2006. Première action très chaude, on voit que la défense a beaucoup de trous. Alors, est-ce que je vous ai parlé des objectifs? Je crois que oui, mais je vais quand même le rappeler. J'aimerais bien finir un milieu de tableau. Juste, hop, attendez. Juste pour que, voilà, si on peut taper l'Europe l'année prochaine, hein, ce serait cool. Juste améliorer un peu l'équipe, c'est tout. Et c'est Nicolas Pepe qui part. Alors Nicolas Pepe, déjà cette année, c'est monstrueux. Déjà l'année dernière, c'était déjà monstrueux. Mais là, cette année, enfin, je parle pas dans le jeu, hein, je parle dans la vraie vie, il est monstrueux. Rien d'autre à redire. Smaro. Oh, Fonté! Le premier but de Northwich. Ouais, c'est dur. On se fait clairement dominer. J'ai oublié de mettre en mode défensif aussi parce que normalement, j'ai mis le pressing dès qu'on perd la balle. Et là, dès qu'on la perd, bah, j'ai pas de pressing. Juste que j'oublie pas de le mettre. On est en mode légende. Hein. Légende. Je crois que c'est des matchs de 4 minutes. Comme ça, on va avoir plusieurs matchs. Ah là 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 là. Parti Loïc Rémy. Oh, il connaît, putain, qui est pas loin de la prendre. Désolé pour les gros mots. Non, pas loin de la prendre. Après, je pense que je chimerai. C'est juste pour vous parler un peu. Après, voilà, je chimerai les autres matchs. On va le faire ensemble. Sur le hors-jeu. C'est comme ça, au moins, ce sera mieux, je pense. Parce que j'aime vraiment pas cette début de club. Genre, je m'en fous un peu. C'est juste pour me faire un peu d'argent. Voilà. Thiago Mendes. Oh là 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 là. Mais oui, mais les gars, on presse. C'est le. Ikoné, belle frappe d'Ikoné, ça a pu rentrer, ça a été, c'était une putain belle frappe. Heureusement, le problème c'est qu'Ikoné, il l'a évité, c'est j'en profite pas, parce que vu qu'il est mieux à son. Ouh, Loïc Rémy.
Soumaro qui récupère la balle. Thiago Maia. Oh, Pépé. Bamba. Ouh, ça passe pas loin, Bamba. Bamba, sa frappe ne passe vraiment, vraiment pas loin du tout. Hein. C'était vraiment pas super loin. Ça pouvait jouer clairement. Faut pas non plus que je te ressorte mon milieu de terrain parce qu'après je sors directement à la défense, j'ai l'habitude de faire ça en plus. Bon, c'est la mi-temps, on perd 1-0. On a une, deux occasions avec Bamba et Ikoné. Bon, on n'a pas réussi malheureusement, c'est un peu chiant. On a été coincé, j'ai pas trop de solution clairement, j'ai pas vomito. C'est très très lent quand je joue. Parce que je trouve que le Ikrimi, bah, c'est pas super super fou. Hein. Je suis pas amoureux de lui hein, carrément. Il est lent, il est pas rapide, je sais pas. Oh là, j'étais coincé, il n'y a pas d'option là, il n'y a pas d'option. Oh là 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 là, mais excusez-moi, je vous propose un jeu de merde. Enfin, une qualité de jeu pas très très belle. Peut-être laisser le temps à 5 minutes maintenant par match, parce que ce serait mieux, je pense. Ouh, jamais refaire ça ce que je viens de faire. On met la balle au plein centre, il manquerait plus qu'il y avait un joueur et j'étais mort. Allez, c'est parti. Allez, pour Nicolas Pépé. Oh là 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 là, il... Oh, c'est pas possible. Hein. Il y a un problème, j'arrive pas à passer leur milieu. Hein. Nicolas Pépé. Oh là 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 là, je demande pas là. C'est bête qu'ils font ça parce que je demande pas là. Il n'y a pas de personnel en fait, il n'y a personne qui... Pourquoi il est où? Oh là 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 là, il est hors jeu. On va faire entrer Farage à la place de Nicolas Pépé. Put. Ouf, la barre. On a une dernière action, je pense. Et si on se réveille. Oh là là là, c'est pas bon. Oh bien, j'ai Léo qui rattrape la boule. Rojo, mais putain! Ah, oh, c'est bon. Oh. Déchirez-vous, allez, 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 allez. Putain, il récupère la balle les gars. Allez, attends, genre. Ah, Rojo. Oh là 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 là. Défaite, désolé, hein, mais... C'est pas possible, j'aime pas cette compétition. C'est fou. Désolé, hein, c'est horrible ce qui vient de se passer. On a tiré, hein, on a tenté. Hein. Tenté en première occasion, ça n'a pas marché.
Malheureusement, je suis un peu déçu. Hein. Genre, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Mais voilà, ça n'a pas été foufou non plus notre jeu. On n'a pas vraiment produit un jeu très très beau. Je peux le faire sous vos yeux, hein. Vous voyez bien que je suis en légende, hein, je triche pas. Mon offre de transfert pour Bamna Fares Bayouli. Rose 1700. Je pense que c'est une offre plus que correcte. C'est cool que Bayouli parte. Je veux juste voir avec vous si voilà, il y a possibilité d'avoir un nouveau joueur avant la fin qu'on parte. Voilà, alors. Quand alors, qu'est-ce qui se passe encore? Je pense qu'il a dû avoir un transfert à port fini pour Edmondson. Alors, on va simuler déjà ce premier match. On fait une victoire 4-0 contre Cardiff. Et on perd, donc on est officiellement éliminé. Hein. On est officiellement, à moins que Switch a perdu. Oui, donc on a. Bah, je sais pas en fait, je ne sais pas. On a eu un A et il prend en plus un tir de loin, c'est plutôt bien. Positionneur vendu. Fornals et Madison. On va voir ce que ça donne. Hein. C'est plutôt cool d'avoir quelques infos. Alors Madison c'est 76, ça doit coûter très très cher. Plutôt bon. C'est pas un joueur rapide que je cherche en plus. C'est plutôt un joueur assez efficace devant. Devant le ballon, il ne donne pas de prix, je vois pas les prix, c'est ça qui est mis. C'était qui? C'est Pablo Fornals, alors lui je pense que ça va être un peu dur de la boire. Ah, d'ailleurs il plaît moins je pense, donc on va l'enlever, retirer la liste. Et on va essayer pour Madison, Madison c'est 12 000. 12 000, on peut en proposer, ah il vient d'arriver, c'est ça le problème. C'est qu'il vient d'arriver. Et vu qu'il vient d'arriver, bah, on peut pas l'avoir. Donc voilà, ça me saoule un peu. Timothée Wea et tout. Donc on va voir quand même. Avant de partir, j'aimerais bien voir. Boscheglia, c'est une très très belle note. Younes Mali aussi. Radwaiz aussi. Guitan. Voilà, c'est ça le problème. C'est que Wea. Il est pas mal le Wea. Hein. Je pense que. Négocier pour un achat, ils veulent pas. T'es grand quand même. Hein. Sois grand que tu aimes. Ah, Gaitan, c'est déjà un peu. Ouais, on va prendre Gaitan. Hein. Combien? 1400. Oh là là, du coup, je peux pas les avoir sérieusement. Là. Je peux en avoir aucun. 22 000. Ah ouais, bah, c'est un peu mort. Hein. Oh, ils veulent juste personne ne veut là. D'accord. Ça ne sera pas pour l'instant. Non, parce que... Alors, Florent Mollet, mais. C'est pas chiant. Florent Mollet, parce que c'est un très bon jeu. Florian. La moitié de 26 ans. J'en ai envie de dire, très très bon. 9 jours, 26 ans, je pense que ça peut apporter aussi l'expérience à l'équipe. Voilà, j'ai rien d'autre à dire parce que tous ces gens, en fait, je ne peux pas les avoir parce que. Comment dire, j'ai été coincé en quelque sorte. Hein, c'est plutôt ça que je dois dire. Hein, on a été coincé. Il faudrait qu'on gagne contre Cardiff. Et c'est une victoire 5-0, triplé de Luc Rémy, propre, triplé de Nicolas Pepe de Bamba, et on est qualifié, offre de Nicolas Pepe pour Buenos Aires, alors je sais pas s'il a affaire à Buenos Aires, mais je ne pense pas le vendre à Buenos Aires, ah si, je voulais regarder un autre joueur, je voulais regarder Pavone, qui est un monstrueux, hein, Pavone. Pas bonne,
Alors, je sais qu'il est fort, hein. Je sais qu'il est très puissant, il est très très bon. C'est juste que il est monstrueux, je le trouve monstrueux ce joueur. Ce joueur pour moi, il est juste monstrueux. On a quand même regardé sur le jeu. Martin Terrier, j'aime bien aussi, hein. Faut pas se foutre de la gueule, Martin Terrier c'est très très fort quand même. Hein. Voilà. C'est tout. Je pense qu'on va finir cet épisode juste après Bruges. Bruges, excusez-moi. Puis voilà, je pense que quand on viendra se faire éliminer, je pense qu'on se quittera dessus. Pas de recrue pour l'instant. Bamba qui marque et Zay, je sais pas comment on dit, excusez-moi. Il élimine. Voilà, je pense que c'est tout. Et puis voilà, on va faire les entraînements avant de partir. On va avoir quelques messages, je pense. Oh, on a eu un plus et on a de belles augmentations aussi. On a de belles, 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 belles augmentations. Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'on est plutôt bien 1600, d'après 1600 crédit, j'allais dire. Excuse-moi, je joue un peu trop à Futureman. 1600 en plus, Christian Pavone, Farage en prêt. On va dire oui, parce que j'ai envie qu'il s'améliore en fait. J'ai envie qu'il s'il reste chez moi, le problème c'est que je sens qu'il va pas s'améliorer. Et Pavone, c'est cher. Pavone, c'est très très cher. Très 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 cher. Pavone, c'est rapide, mais c'est cher en même temps. Voilà. Voilà. Je pense que c'est tout pour moi. On se voit la prochaine fois. Alors la prochaine fois, je sais pas dans combien de temps je referai un épisode, mais je pense d'ici. Je pense que cette vidéo sortira en fin de semaine si le monteur fait pas de bêtises normalement. Et normalement, j'en ressors une. Je vais en enregistrer quelques-uns là, peut-être demain aussi. Du coup, peut-être dans une semaine, vous aurez un nouvel épisode. Puis voilà, je vous dis ciao ciao les amis et à la prochaine.